Bon les potes, du coup, on a perdu des rushs de vidéos. Mon téléphone il pète les plombs, je sais pas pourquoi. Quand on a pas mal de vidéos dessus et qu'il manque de la place, je pense qu'il supprime des rushs, donc on a perdu pas mal de rushs. Là, à l'heure où je vous parle, on a déjà bossé 2-3 jours dessus, facile. On n'a pas fait grand chose, mais vous verrez dans les prochains épisodes. Du coup, ouais, là après la vidéo, en fait, le bateau il a été transporté sur, chez un collègue à nous, en fait, sur une aire de carénage. Enfin, d'hivernage plutôt. On pourra le laver et tout, et puis ça sera beaucoup plus simple pour bosser dessus. Du coup, ça vous le verrez pas. Pour ce qui est des caractéristiques du bateau, c'est un octogabier de 4,62 m. 76 cm de tirant d'eau, c'est un petit quillard, donc il fait 520 kg, je pense, comme ça, ouais, 520 kg. Du coup, on a pas mal de taf à faire, là, dans le prochain épisode, on va le laver et tout ça. On vous montrera vraiment tous les petits trucs qu'il y a à faire. Sachant que, comme je vous ai dit, nous, on a déjà tourné d'autres vidéos, on pensait qu'il y aurait eu plus que ça à faire, mais non, finish, ça va. Enfin, après, vous verrez dans les prochains vlogs. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, les potes. N'hésitez pas à liker, partager pour nous dire, surtout commenter pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et puis on se capte pour le prochain épisode. Allez tous les potes!